Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de formation sur la vente des produits digitaux, les amis. Aujourd'hui, nous allons voir naturellement comment créer votre tunnel de vente pour la vente de vos produits digitaux. C'est aussi simple que ça. Comment créer votre tunnel de vente? Alors, naturellement, on va utiliser la meilleure plateforme. La meilleure plateforme, c'est quoi? C'est la plateforme qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas la plateforme qui est plus chère, qui a plus de fonctionnalités, mais c'est la plateforme qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est tout simplement Systemio. Yes, vous avez deviné. On ira directement sur Google, on va taper Systemio. Quand vous tapez Systemio directement sur Google, vous allez cliquer sur le premier site que Google vous propose et vous allez vous inscrire. Vous allez cliquer sur commencer gratuitement. Moi, je vais tout simplement me connecter parce que j'ai déjà un compte sur Systemio. Donc, quand je me connecte à mon compte Systemio, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement sur Tunnel. Dans Tunnel, on va directement créer notre tunnel. Donc, vous cliquez sur créer. Quand vous cliquez sur créer, vous nommez votre tunnel. Donc, moi, je vais mettre par exemple produits digitaux. D'accord? Je vais mettre produits digitaux. Ce n'est rien de compliqué et c'est très rapide. Vous allez voir, ça ne va pas être long notre tutoriel. Hein. Vous allez dans produit, vous allez cliquer sur produit, vous allez taper produits digitaux. Quand vous tapez produits digitaux, vous allez taper vendre. Vous allez cliquer sur vendre ici. Euros, ça ne va largement. Donc, on va cliquer sur regarder. Et là, on clique sur produits digitaux ici. Quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout ce qui était là au début. On supprime tout ça. Page remerciement, tout ça, on supprime. D'accord? Et là, on va choisir la première étape, c'est tout simplement page de vente. Ne vous fatiguez pas, hein. Mettez juste page de vente. Ça, c'est très simple, d'accord? Mais page de vente. Ici, type, on va mettre produit, page de vente. On va mettre page de vente, sauvegarder. Et là, on va choisir un template. On va choisir un template qui répond à nos aspirations. Vous devez choisir aussi un template. Hein. Ici, par exemple, je vais sélectionner ceci. Tout simplement, quand je vois ce que je veux, moi, je ne me fatigue pas à chercher longtemps. Quand je vois ce que je veux, c'est que j'ai vu ce que je veux. Ici, je vais mettre, par exemple, info. 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 Et là, je sélectionne. Info n'est pas disponible. Il y a une page. OK, info. Donc, ici, je vais mettre. Et mettre produits digitaux. Produits digitaux. Right now. Ok, I get it. Je vais cliquer sur modifier la page. Quand je clique sur modifier la page, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir modifier ma page. Déjà, je supprime tout ce qui était là. D'accord. On va créer un tunnel en partant de zéro, les amis. Yes. On va cliquer. On va supprimer tout ce qui était là. On va supprimer tout ce qui était là. Yes, yes. On supprime tout ça parce que ça, c'est vraiment pour les débutants, hein, de modifier des templates comme ça. Bon, je suppose que vous n'êtes plus débutant parce que vous avez déjà suivi mes dizaines de tutoriels sur comment créer un tunnel de vente. J'en ai fait un minimum 10 hein, depuis le début de la chaîne. Donc, on n'est plus à cette étape de modifier des templates comme ça. Right now, you know. Donc, on va supprimer tout ce qui était là, les amis. La ruse, c'est ça. Hein. Si vous voyez un élément qui refuse d'être supprimé, vous passez en version mobile. Et normalement, vous allez pouvoir le supprimer facilement et aisément. Alors là, nous avons notre page vierge. La première étape, c'est naturellement de paramétrer la page. Paramétrer la page, généralement, moi, je passe l'arrière-plan en noir. En tout cas, la couleur que je veux. Hein. Ici, je veux du noir. Et le test, tout ce qui était là, je mets ça en blanc. 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 D'accord? Couleur du test, blanc. Parce qu'on ne va pas écrire du noir sur du noir. On n'est pas des génies. On va mettre du blanc sur du noir. Voilà. Maintenant, la police. Ici, je change généralement WebSafe. Je mets généralement du Times New Roman. Times New Roman. You know. So, la première chose à faire, c'est créer l'ossature de son tunnel. Créer l'ossature de son tunnel, c'est quoi? Derrière la section. On va ajouter une section. On va paramétrer notre section. Ici, par exemple, là, ma section, ils m'ont mis quelque chose que j'aime pas forcément. Je vais mettre en moyen. D'accord? La section en moyen. Tout simplement parce qu'on ne veut pas que voilà, notre section prenne toute la largeur comme ça. On veut que ce soit vraiment moyen. Donc, là, maintenant, on va tout simplement ajouter directement. Mais avant d'ajouter quoi que ce soit, je vais supprimer encore cette rangée. Là, je laisse tout simplement ma section. C'est tout ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé une section, il m'a ajouté une section avec une rangée. C'est pas ce que je lui ai demandé. Hein. Donc, soyez vraiment intransigeants, les amis. Vous demandez quelque chose, vous devez l'obtenir. Hein. Donc là, je vais dupliquer un peu ma section que j'ai déjà paramétrée. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 sections, ça suffit au début. Donc, dans la première section, il y aura tout simplement... Alors, avant toutes les sessions, il y aura un countdown. Bah ouais, je suis exigeant. Hein.
il y aura un countdown. Après les countdowns, il y aura les différentes sections. Dans les différentes sections, en haut, il y aura deux colonnes. Après deux colonnes, il y aura trois colonnes. Il y aura trois colonnes dans la deuxième section. Dans la troisième, il y aura deux colonnes. Et ensuite, dans la dernière, il y aura quatre colonnes. Voilà. Voilà à peu près comment mon tunnel sera orienté. Donc, première rangée, je vais ajouter une image qui va illustrer un peu ce que je veux dire. Donc, je vais chercher image ici. Je vais ajouter soit une image, soit une vidéo, hein. Donc, si j'ajoute une image ici, après l'image, je vais ajouter un title. J'ajoute un title et en dessous du title, je vais mettre directement mon texte. Bon, il faut le mettre en blanc, hein, parce que là, il vient en noir, là, j'aime pas. C'est pas ce que je t'ai demandé, hein. Bon, je vais devoir le mettre en blanc. Donc, je le mets directement en blanc aussi. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je veux lui faire comprendre au début. Je vais mettre un bouton juste en dessous du test. Voilà comment je construis mon tunnel. Avant même de commencer à le modifier, je construis déjà le tunnel en entier. Le reste, c'est juste des modifications. D'accord? Après ça, je vais mettre title plus test, title plus test. Vous allez voir à peu près ce que je veux dire par là. Title. Bon, ici, ça c'est un travail fastidieux, hein. Mais bon, ici, les couleurs aussi, je peux déjà commencer à les mettre en place. D'accord? Plus test. Le test aussi peut être en blanc, ici. Donc, je le laisse en blanc. Et après ceci, après ce title plus test, c'est juste des tests d'appui, hein. Des tests d'appui. Ici aussi, je le laisse dans cette couleur-là. D'accord? Bon, pour ne pas se fatiguer, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est ça. Vous savez, quand vous maîtrisez un peu, vous n'avez pas forcément envie de vous fatiguer, hein. Donc ici, voilà, on va éviter de changer de couleur à chaque fois. Voilà. Donc voilà, à peu près. Voilà, ce sont juste des tests d'appui, hein. Et les tests d'appui, moi, je les mets généralement en H1. Voilà, ici, je le mets en H1. Pour éviter de vous faire perdre votre temps, les amis, on va avancer un peu rapidement. Donc voilà à peu près déjà l'ossature de mon tunnel. Ici, je vais mettre aussi la couleur avec la couleur. Voilà. Bon, après, je vais faire ça. Après, je descends ici. Je vais acheter une image. Une image animée, mais bon, une image quand même. D'accord? Généralement, c'est une vidéo, mais je pense que la vidéo, ça va être un peu lourd quand même. Bon, mon image, je préfère la mettre ici finalement. D'accord, et je vais mettre ici une liste à puces. Voilà. Une liste à puces que je vais mettre en jaune. Voilà. Non, pas en jaune. C'était pas la couleur. On va mettre. Voilà. Donc, pour garder une certaine harmonie. Et après, à la fin, ça va être passage à l'action. Hein. Passage à l'action, passage à l'action. Donc, ici, je vais mettre plutôt. Je vais mettre plutôt du test. Essentiellement du test, hein. Du test pour amener les gens à passer à l'action, du test bien travaillé, d'accord, bien sûr, du test blanc, donc on va dupliquer un peu et essayer de les mettre dans les autres boxes. Vous savez, créer un tunnel, ce n'est rien de compliqué. Hein. C'est juste les gens qui vous mystifient, qui essaient de vraiment complexifier. Vous voyez, là, on a déjà créé un tunnel. On a déjà créé un tunnel. Le reste, c'est juste modifier. Ici, par exemple, on change l'image. On va choisir une image directement. Bon, moi, je vais choisir une image de quelque chose qui existait déjà. Par exemple, je pense par exemple ceci. D'accord? Ça, par exemple, si je vendais des produits relatifs à TikTok, je veux mettre ça. C'est juste pour vous dire que votre image principale doit être ici. Là, vous mettez votre titre. En fait, ici, à partir d'ici, vous n'avez plus besoin de moi pour remplir votre tunnel, quoi. Parce que là, jusqu'ici, vous avez compris le principe. Alors, pour les boutons, il y a beaucoup qui ont des difficultés.
Ici, vous cliquez juste, vous allez modifier. Bon, moi, généralement, je supprime ce qui est en bas là. Je laisse juste ce qui est en haut, je le modifie. Ce qui est en haut, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, le bouton d'action, ça va être quoi? C'est à vous de voir, soit commander, soit acheter, soit, voilà, en savoir plus. On va mettre en savoir plus. D'accord? À vous de réfléchir, de savoir ce que vous voulez laisser là. Non, en savoir plus. Quand je mets en savoir plus là, je peux mettre la couleur maintenant. La couleur, généralement, ça va être une couleur. Moi, j'aime les dégradés, hein. Mais bon, ici, particulièrement, je ne vais pas mettre de dégradé. Je vais juste mettre cette couleur. Mais un peu plus sombre quand même. Voilà. Un peu plus. Voilà. Et là, je vais essayer d'arrondir un peu les coins parce que je n'aime pas quand c'est trop, trop, trop chose. Donc, je vais essayer d'arrondir à soit 11, soit 11 partout. Soit 11, soit 11. Et soit 11. Là, ça va être parfait. Donc, voilà à peu près comment est-ce que j'ai pu créer mon tunnel. Et ici, je peux dupliquer ceci et le ramener juste en bas ici. Voilà, donc j'ai un bouton d'action ici, j'ai un bouton d'action là. Et peut-être à la fin, pour couronner le tout, je vais dupliquer ceci. Et avoir un bouton d'action complètement à la fin. D'accord? Complètement à la fin. Voilà. Donc le contenu du tunnel dépend entièrement de vous, de ce que vous vendez, et aussi de comment est-ce que vous faites aider par ChatGPT ou les autres intelligences artificielles. Mais nous, on vient de créer directement un tunnel sans facile, sans aucun problème. Maintenant, pour le timer ici, à vous de définir à quelle heure ça va commencer, à quelle heure ça va se terminer. Et si c'est des heures fixes, si c'est des heures qui vont tourner en round, à vous de voir. Simplement et facilement. C'est comme ça que vous arrivez à créer vos produits digitaux, les amis, sans aucun problème. Donc, félicitations. C'est comme ça que vous créez votre page de vente directement avec un tunnel de vente comme System.io, comme je viens de le faire hein, simplement et facilement devant vous sans vraiment me casser la tête. Mais si je veux, je peux aussi modifier hein, la couleur de chaque section pour les différencier un tout petit peu. Moi, je préfère laisser ça comme ça, mais je vais quand même vous montrer la possibilité de changer la couleur quand même pour ceux qui sont plus ou moins, voilà, qui sont un peu, voilà, des gens qui aiment l'innovation. Vous pouvez changer à chaque fois, pour chaque section, la couleur d'arrière-plan pour varier un peu la couleur, montrer que ça, c'est une nouvelle section qui commence. Donc ici, au niveau de couleur d'arrière-plan, vous pouvez modifier un tout petit peu. Et voilà, mettre quelque chose de plus ou moins soft, etc., etc. Donc à vous de voir exactement ce que vous voulez. Moi, je l'aurais laissé tout noir, personnellement à mon goût, à vous de voir ce que vous mettez. C'est tout par rapport à la mise en place de sa page de vente. Le reste, c'est modifier. Hein. Vous cliquez, vous modifiez. Vous cliquez, vous modifiez l'image. Vous cliquez, vous modifiez le texte, etc., etc. Je pense que pour tous ceux qui me suivent sur Internet depuis un bon bout de temps, vous pouvez facilement, à cette étape, continuer vous-même. Modifier le texte. Là, vous venez de créer un tunnel sans avoir utilisé de template. Et vraiment, en quelques minutes, on a fini avec ça. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Tout dépend du produit que vous vendez, des produits digitaux que vous vendez. Le test, vraiment, vous pouvez le faire avec... L'intelligence artificielle, là maintenant c'est du copywriting qu'il faut faire. Il faut créer du test pour amener quelqu'un à acheter. C'est aussi simple que ça. Donc, le reste maintenant, vous cliquez ici sur en savoir plus et vous allez tout simplement déterminer ici. Vous allez cliquer sur rediriger vers une page. Vous allez mettre l'URL de la page de vente de votre e-book ou de vos différents produits digitaux. La page de vente, vous devez tout simplement mettre en place un moyen de paiement. Et vous redirigez ce lien-là vers le moyen de paiement pour que la personne puisse directement payer. Et on va voir ça dans une prochaine vidéo. Puisque je vous l'ai dit, on est dans une longue série, d'accord, sur la vente des produits digitaux. Dans la prochaine, peut-être, ou dans l'une des prochaines vidéos, on va vous montrer comment mettre en place des moyens de paiement. So, abonnez-vous et suivez tout simplement toutes les vidéos de cette longue série sur la vente des produits digitaux, les amis. So, let's go. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir notamment comment créer son compte TikTok monétisé pour la vente des produits digitaux. So, let's go! Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation, notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à vendre vos produits, alors j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à un programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous
retrouver également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le Social Media Marketing Agency, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA, vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de fond en comble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité, de campagne publicitaire Facebook Ads 2.0, intégrez également mon programme de formation sur Facebook Ads, donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMA. Donc vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnel de vente 2.0 avec mon programme funnel building 2.0. Si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien est en description, vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Donc pour résumer, vous pouvez tout simplement intégrer mes 5 programmes de formation SMMA pour tout simplement développer votre agence de SMMA, funnel building pour maîtriser le funnel building de A jusqu'à Z, community management afin de devenir un véritable community manager, Facebook Ads pour maîtriser le lancement des publicités sur Facebook, et en dernier lieu mon programme e-commerce marketing pour tous les e-commerçants qui ont des boutiques en ligne ou pas, qui veulent se lancer dans le e-commerce et trouver des clients en ligne directement, mon programme e-commerce marketing 2.0. Alors, j'ai élaboré pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books là. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go, à tout de suite.